On va tester un petit peu le son des micros. Vas-y. 1, 2, 1, 2, essaye pour voir. 1, 2, 1, 2. 1, 2, son, son, son. Son, son, son. Ça a l'air de bien marcher, on va voir. Toi, vas-y, Farid, encore une fois. Oui, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Parfois, je vais faire pas exactement la même chose que vous, mais vous pouvez rester sur la même... Faut rester sur le même refrain, d'accord? On va recommencer encore une fois. Vous êtes prêts? Non. 1, 2, 3, 4, 1. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Oui, c'est ça, c'est bien. Maintenant là, pour le psychologue. Tu as maintenant, il faut que tu ailles maintenant, il faut que tu te dépêches, tu vas être en retard. Allez, vas-y, vite, prends, pose le micro là-bas et on y va. Chico, merci. Okay. Hey, ça va? Et toi? Je veux parler avec Farid et Bazir. Ok, Farid est là. Bazir va te voir juste après le psychologue. Okay. Est-ce que t'as des nouvelles pour lui? Eh ben, il mentait pas, Nelson. En fait, maintenant, on sait que, par exemple, le père de Bazir, il était tué par les talibans. Il était médecin. Aussi, on sait qu'ils sont allés en Pakistan. Il s'est débrouillé pour arriver en France toute seule. Tu penses que ça va s'arranger pour lui? Je suis pas sûr. Tu viens me voir dans mon bureau? Ok, ça marche. Ok. Ton papa n'a pas pu continuer à faire les médecins. Kharidia, Polidia, Barayush, Meidad. Magare, Kalish, Khali, Khatarnok, Bout. Parce que les étrangers payaient mon papa beaucoup plus comme interprète, mais son travail était très dangereux. Maintenant, tout détruit. Merci de nous avoir amené ça. C'est très beau. T'es bonne le matin? C'est ton papa qui t'a pris? Oui. Tu étais très courageux, Bazir. Tu as fait un énorme effort. Maintenant, vas-y, il y a Marco qui t'attend. T'as chico. On se voit mercredi prochain. Au revoir. Merci, au revoir. Farid, je te présente Marco. C'est lui qui va s'occuper de ta situation. Bonjour, Farid. Bonjour. Je suis le juriste de l'association. Ça va? Oui. Ok. Je vais te donner des nouvelles sur ta situation. La police est allée chez la dame qui t'exploitait. Ils ont trouvé une autre jeune fille chez elle. Il a été mis en garde à vue. Moi, j'ai peur pour ma mère. Elle va lui faire du mal. On a su contacter ta maman. Elle est très contente que tu fais de la musique. Et elle est d'accord pour la démarche et elle va rester avec des amis. Et le petit qui va s'en occuper. T'inquiète, Farid. Il est avec son père. Il va bien. Et pour les papiers de Farid? Et les papiers de Farid.
Ok. Il va falloir le refaire car elle t'a fait entrer en France sur une fausse identité. Allô? Tout ça va prendre du temps, mais on te tient au courant, ok? D'accord. Marco? Oui, Basir a pu s'exprimer aujourd'hui. Il est en confiance maintenant. Il me faut un interprète la prochaine fois. Je sais que c'est compliqué, mais aujourd'hui, la présence d'un interprète était capitale pour qu'il s'ouvre. Quel problème? Est-ce que Basir le sait? Lily, tu peux aller ouvrir, s'il te plaît, ma puce? Là, je suis occupée. Gabi! Ça, c'est la part de mon papa pour ton papa. On doit partir à Toulon. À Toulon? Mais pourquoi? On n'a plus de maison ici. Tu viens en concert, c'est ça? Allô, ma puce? C'était qui? C'était Gabi. Il part pour Toulon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour toi. Comment ça, Toulon? Ben, l'école. Faut les aider. Tu sais quoi? On va appeler Nadine. D'accord? Allô, Nadine? Oui, c'est Jean. Oui, 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 merci. Dis-moi, t'es au courant, là, pour la petite Gabi? Non, mais il faut pas qu'ils partent. Stéphane doit savoir où ils sont. Ben, je vais rejoindre Stéphane au parc. Donc tu gardes la direction de l'école? Oui, je suis très content, ça se passe très bien. Sauf que ça fait une semaine qu'on n'a pas vu Gabi et on n'arrive pas à joindre ses parents. Donc c'est depuis qu'ils ont démoli le bidonville? C'est vraiment dommage qu'ils aient disparu comme ça. Ça faisait un an qu'on avait entamé des démarches. La semaine prochaine, un appartement se libère pour eux et ils ne sont pas là. Tu penses que Gabi va revenir à l'école? Si c'était pour eux, oui, mais là, ils sont dans l'urgence. On doit tout reprendre de zéro, moi je crains qu'ils soient partis ailleurs. C'est vraiment n'importe quoi. Gabi progressait bien, c'était fait des copines. Je vais demander à Stéphane, tu sais, l'animateur du centre dont je t'ai parlé. C'est l'ami de Calo, celui qui avait trouvé Gabi dans la rue. Il connaît tout le monde dans le bidonville et il bosse pour notre asso maintenant. Et si on la retrouve pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont devoir s'endetter davantage auprès d'un marchand de sommeil et toute la famille risque de devoir travailler pour payer les dettes. Même Gabi. Bon, on s'y encourage. Ciao mec. Vas-y. Alex. Salut Ben. Ça va? Tu t'es fait peur? Non, j'ai pas peur, mais... C'est ma peau qui cherche au tribunal, tu sais. Mais arrête avec ça. Tu sais bien que tu n'es qu'un témoin. Tu parles. Qu'est-ce que je vais leur dire maintenant? Tu es comme un fils pour moi. Et je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Mais le réseau n'a pas apprécié ton choix de la fille. Tu nous avais pourtant juré qu'elle ne parlerait pas. Mais tout s'est toujours bien passé comme d'habitude. Alors de quoi tu as peur? Elle aurait parlé? Mais de toute façon, elle sait rien. Tant mieux. Tu sais, Alex, si tu veux t'en sortir, il faut vraiment me faire confiance. Ok? Ouais. Alors, cette musique, ça passe bien? Tu veux me parler? Le recours a été rejeté. Mais j'ai 17 ans. Je sais ça, Basir, mais ils t'ont pas cru. De toute façon, regarde. La démarche pour ton statut de réfugié est en cours, et après ça, qu'est-ce que t'as vécu, c'est possible que... Mais peut... je pourrais continuer de voir le psychologue. T'as pas les droits. Tu sais quoi, je vais parler avec elle.
un système Béchar Djaribas. Toutes mes familles, que Joy, Taza, Amada, Aknadarat, Kedandana, Djurkona. Pour ton pays, j'ai 18 ans. Alors laisse-moi, tu sais quoi, je veux partir. J'ai le droit. Pour aller où? Chez le vendeur de fruits? Il te paye au moins? Nee, Margaro Balaïmia Joy, Khoudaza. Il t'exploite! La police ne doit pas te connecter au réseau. D'ailleurs, moi-même, je ne dois pas exister. Tu étais un mineur qui a fait une bêtise tout seul, voilà tout. D'accord? Ok. Tu n'as rien à craindre de la loi. Par contre, le réseau... 30 minutes avant de témoigner. C'est du captagon. C'est ce que prennent les combattants en Syrie. Ça donne du courage. Allez, vas-y, fils. Merci, Ben. Monsieur Romain, vous pouvez démarrer la vidéo. Alex m'a dit que son ami Ben allait nous déposer à la maison. C'est ce Alex ou ce Ben? C'est Alex ou Ben qui vous a poussé? Je vous ai dit, je sais plus. J'avais bu. Et pourtant, Alex avait bien essayé de vous empêcher de boire. Oui. Est-ce que vous pouvez vous rappeler une seule fois où Alex ou Ben a essayé de vous agresser physiquement? Non. Bravo, t'as été courageuse. Merci, monsieur Romain, c'est bon. Il est avéré que la jeune fille a été droguée et abusée, mais les traces d'ADN ne sont pas celles d'Alex. On n'a pas encore identifié ce Ben ni le véhicule noir dont elle parle, et les vidéos qu'on a retrouvées dans le portable d'Alex confirment que les deux mineurs avaient déjà entamé une relation. Alex a clairement pris les vidéos en question à l'insu de ma cliente. Il utilisait même le chantage pour la contrôler. Alors, d'accord, Alex a parfois fait quelques erreurs, et on en a longuement discuté. Mais Alex est un mineur sans attache. Sa mère se drogue, il n'a jamais connu son père. Attendez, Alex est un toxicomane, d'accord, qui a besoin d'argent tout le temps et de beaucoup d'argent. Oui, enfin, il a été prouvé que ce n'est pas lui qui a abusé d'Anne. Il se prostitue lui-même, d'ailleurs. Non, Alex est terrorisé parce que ce prénommé Ben l'a exploité autant qu'il a exploité Anne. Et si vous le mettez en examen, il ne pourra pas se reconstruire. Excusez-moi, mais maître, je vous rappelle que votre client, qui avait quasiment 18 ans à l'époque des faits, fournit consciemment des mineurs à ce mystérieux Ben. Et il a même été dire à Anne qu'il était son ami. Son ami, c'est quand même assez parlant, non? Non, Alex est partie active d'un réseau de traite à des fins d'exploitation sexuelle, donc s'il vous plaît, madame le juge, on va éviter de mettre ce jeune homme et ma cliente au même niveau, merci. Non, ce Ben dont parle votre cliente est un prédateur qui recrute des enfants comme Alex. Madame le juge, Alex est autant victime de traite qu'Anne. Pareil, il est sous l'emprise d'un vrai criminel. Et il ne répète que ce qu'il a lui dit. On est bien d'accord, il y a un réseau derrière Alex. Alex n'est pas le cerveau de cette organisation, mais... Je suis désolé, mais madame le juge, pour le faire parler, il faut le mettre en examen, c'est tout. Je suis pas du tout d'accord. C'est mon problème. En revanche, s'il est reconnu comme victime, je suis sûre qu'il nous amènera au réseau de Ben. Alex est confus, fragile, en aucun cas malhonnête et malveillant. Oui, bien sûr. Vous avez d'autres choses à ajouter? Je ne sais pas si c'est pertinent, mais... La mère d'Alex vient juste d'être arrêtée encore une fois. D'autres choses? Je prendrai une décision définitive après la déposition d'Alex. Merci, maître. Merci, mademoiselle. Merci, madame le juge.
Bonjour Nadine. Oui, bonjour Stéphane. Je sors de l'école là. Lily, une petite copine de Gabi. Ils sont en train de partir vers Toulon. Je suis au courant, mais je dois m'occuper du campement. Je sais. J'ai pas le temps. Je sais, mais pour le moment, tu lâches tout ce que tu fais et tu t'occupes de ça. D'accord. Ok. Si tu sais quelque chose, je t'appelle. Allez, ciao. Je pense que Bazir ne vient pas. Mais il y a beaucoup de monde ce soir. Et bon courage. Viens ici. À quelle heure on avait rendez-vous? Viens ici. À quelle heure on avait rendez-vous? Tout ça, c'est moi qui ai arrangé. C'est ton travail, normalement. Bon, tu fais attention aux fruits, hein? Ça, 10 euros de monnaie pour rendre pour le client. Les deux, 1 euro et les cents. D'accord? Pour rendre la monnaie pour les gens. T'as compris? Tu fais très attention aux fruits. Écoute, si tu n'as pas ramené 50 euros minimum, tu restes pas à la maison. T'as compris maintenant? Sois sérieux un peu. Travaille. Sois sérieux. Et tu fais attention qu'on vole pas les fruits, hein? Que personne n'y vole, hein? Fais attention que personne n'y vole. C'est pour ta poche. Je sais que vous nous cachez des choses. Il y a une enquête en cours. Vous êtes là pour témoigner. Et si vous ne me dites pas toute la vérité, votre situation pourra devenir beaucoup plus grave. Je vous ai dit tout ce que je savais, mais... De toute façon, quoi que je dise, personne ne me croit, donc... Arrête avec ça et change d'attitude. Moi, ce que je veux seulement, c'est que tu expliques tout ce qui s'est passé à Madame la juge. Et ça prouverait que tu es une victime aussi. Ben est un criminel, il vous manipule. De la même façon que vous avez manipulé Anne. C'est vous qui me manipulez. Je connais pas Ben. Ce Ben vous a utilisé. Il vous a fait faire des choses illégales pour pouvoir se protéger lui-même. Si vous ne parlez pas, on ne pourra pas vous aider. Ni aider d'autres jeunes comme vous, comme Anne. Et vous allez payer pour lui. Regardez-moi, jeune homme. Regardez-moi. Ben veut te faire porter le chapeau. Lui-même, il protège les intérêts de son réseau. À eux la belle vie, à toi la sale vie. C'est ce réseau qu'on veut faire tomber, pas un ado manipulé. Et toi, il faut que tu comprennes quelle est ta responsabilité. Hein?
Ben m'a demandé de draguer des filles et de les ramener à lui. Il me paye, il me donne de la dope. Il a tout un réseau de clientes, des professionnels, des gens importants. Et j'ai dû contenter ses clients, c'est tout. Il nous filme et il nous utilise pour faire du chantage, et voilà. Et ceux qui ont abusé de Anne, de moi, de plein d'autres. C'est bien. Gioce, le sos te carasal lenza crenza che c'era solamente pochina so cara la tola. Ci su te carau, lo ve po camata, su te carau. No, ma su te carau. Cana no. Tata, se mi manca la lovi. No, lì lì tutti, la sti inghiazzata, no, ci trebu mamma. Ah, bene. Me la sentese a che scola. Da su, starte na te già che scola, mărășe. Oh, mărășe, mărășe. Da, baktalo göçül. Bak baktalo göçül. Baktalo prala, baktalo. A şunu okuyacak, tak patulon. Da su te kara. Kaj te mai beşau kaçı, kı nai makı, nai makan. Ba şu kaj yutu kanay turku. Kinde o mal bilete ajau ko tulonu prala. Mă rășavență kaj te beşer. No. La altă rup dare curcu. No, ce mai beşau. De yek băș pe nei mangă că aș că dau tu apartamentul ha. Și de macanci. Japtar. Mec m-am pace. Mai jucare, curco. Ouais. Tu es sûr pour l'appartement? Quoi? Dans une semaine? Mais c'est rien, une semaine, ça va aller vite. Où est-ce que vous êtes? Ah, non, on vient de dépasser le zoo, nous. Ah oui, d'accord. Je les vois. Ah oui, on vous voit, ok, on arrive. Écoute, je suis au courant pour votre logement. Ouais, Stéphane m'a tout expliqué. Est-ce que je vous propose? Venez tous à la maison en attendant, ok? Ce sera mieux pour les enfants. C'est mieux comme ça. Allez, on y va. Lui, il n'y a pas de quoi d'appartement. Lui, il n'y a pas de. Merci pour la bouteille, hein. Ah, là, vraiment. Non, c'était pas nécessaire. Bah, écoute, tu sais, on la boira tous ensemble comme ça. Allez, on y va, on ne traîne pas. Thank you.
Excesso de emoção.